This is Buonasera so e quiet. Nothing but benvenuti in questo noise. nuovo video qui su A Plague Magic. Tale Requiem. Prima di iniziare andiamo subito a cambiare le impostazioni che vi avevo detto che avrei cambiato, ovvero linguaggio dei testi francese. No, no, scusatemi, non dei testi, linguaggio delle voci francese. Infatti mi sembrava strano che fosse così tante lingue. Ok, ora si può andare. Perché il doppiaggio inglese non mi sta piacendo di questo gioco, quindi proviamo a metterlo in francese. Nel frattempo vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, di commentare e di farmi sapere appunto cosa ne pensate voi di A Plague Tale Requiem e di questo capitolo che è il capitolo 8. Ok, stiamo giocando esattamente il capitolo 8, Mare di Promesse. Adesso dobbiamo andare a parlare con gli altri. Vamos. Prima di tutto qua però, Des animaux. abbiamo Ils animali. viennent peut-être d'Afrique? D'Afrique? Ok, cioè, ci On vorrà un dirait que attimo quand a a joué avec. J'espère qu'il a rien cassé. prenderci l'orecchio con il Ça m'a fait francese. tellement de bien de dormir. Herb et onguent. Ce qu'elle a donné à Hugo a bien fonctionné. J'espère qu'il se sent mieux. Ok. Quel beau lit. Notre capitaine a bon goût. Va bene. Tu invece cosa Cette odeur dici? de l'encens, ça sent tellement bon. Dove va la mappa? La mer Méditerranée. Lacuna devrait être quelque part ici. Celle-là ou celle-là. Ok. Collier, bague. Une dame plutôt élégante, cette Sophia. Va bene. Non posso correre più di tanto. Andiamo qua su. C'è il capitano, però c'è anche On ne voit plus le continent. questa zona con cui interagire. Claire, Lucas, j'espère que vous allez bien. Giusto, sua madre e Lucas sono ancora là nel continente. Salut. Cela doit être exaltant de piloter un navire. Ça me fait oublier tous mes problèmes. Vas-y, essaie. Oh, Allez, tu risques pas de nous faire couler. Alors? C'est incroyable. Tu ressens la mer, la liberté. Merci de nous aider. Remercie Arnaud, c'est pas dans mes habitudes. Oh. C'est un enfoiré, je sais. Il est comme ça parce qu'il en a bavé. Ça n'excuse rien, mais. Amicia! Amicia! Oh, le devoir m'appelle. Désolée. Pas de problème. Merci. Amicia, viens! Là-bas, je vois quelque chose. L'isola? Proprio lei? L'abbiamo trovata? Tu sais, c'est pas très grave si je meurs. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le magistère Vaudin, il a dit que j'allais mourir. Seigneur, non, Hugo, je suis désolée. Ça n'arrivera pas. Sois pas triste. Je suis contente d'être ici. Je m'amuse sur ce bateau et j'aime bien Sophia. Et Arnaud, même si toi tu l'aimes pas. Pardon. Je voulais juste vous dire qu'on n'allait pas tarder à accoster. J'aurais besoin d'aide. Alors, venez me voir quand vous pourrez. Oui, bien sûr. Je suis contente d'être là avec toi. Vabbè,
Ah, lui non l'abbiamo parlato. Il a survécu aux flammes. Oui, il en faudra plus que ça. Il a survécu à l'Espagne, la Bourgogne, même la Guyenne. Mais de justesse cette fois. C'est là qu'il s'est cassé? Oui. La seule fois où il n'a pas su protéger. Toi? Ok. Non. Quelqu'un qui portait le même blason que moi. Oh, je vois. C'est un souvenir encore douloureux. Certains souvenirs ne se laissent jamais oublier, petite. Je comprends ce que tu veux dire. Hé, hey, vous deux! La voile penche à bâbord. J'ai besoin d'aide. Va tirer sur la corde de l'autre côté. Je vais donner du mou sur la mienne. Oui, compris. Prima però andiamo giù, vediamo cosa c'è qui sotto. Alors, elle a amassé un véritable trésor là-dedans. Non c'è nulla. Non possiamo interagire con niente. Zero. Peccato. Torniamo su allora. O forse le interazioni sono scomparse nel momento in cui abbiamo avuto quest'altra cosa da fare. Dov'è che dobbiamo prendere la vela? Ah, qua, ok. Tac. J'adore faire ça. C'est bon de mon côté. Arnaud? Moi aussi. Beau travail. Ok, ora dobbiamo andare a parlare a lei. Quindi è un'isola abitata. Je reste. J'ai deux ou trois choses à faire ici. Je vous rejoindrai. Bien. On va faire un tour avant la nuit. Et trouver où dormir. Bonne idée. Et au fait, ici, vous êtes sur les terres du comte. Sois gentille. D'accord? D'accord. Quindi l'isola che dovrebbe salvarci è sotto la giurisdizione del cattivo. Ok. Voici pour toi, mon enfant. C'est un grand honneur de t'accueillir. Merci. Eh bien, nous avons un nouveau roi. Hugo le Juste. En effet, pendant les jours ardents, tous les enfants sont rois. Exactement comme l'enfant des braises qui veille sur notre île adorée. Ta présence est une bénédiction parce que tu es notre avenir, tout comme lui. Car il nous délivrera tous de l'emprise des ténèbres. Bon séjour. Profitez bien des festivités. Merci. Au revoir. Bon. Ça commence plutôt bien, non? Je me demande ce que l'Église pense de tout ça. Mais ils ont l'air de bien s'en sortir. Prie pour que nous aussi. Allez, venez, Votre Majesté. On est dans mon rêve, Amicia. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'est très beau, ouais. Mais maintenant, il faut trouver ce qui t'a appelé sur cette île. Bienvenue. Le marché est au bout de la rue. Il vaut le détour. Allons-y, vite. Oui. Il y a une des collectionnables en giro. Il faut en décharger d'autres. Oh, plus tard, j'en peux plus. Pareil. Le marché est infernal cette année. No, qui veniamo proprio bloccati brutalmente. Possiamo entrare in questa porta? Nemmeno. Ok, bloccati brutalmente da quella signora che non ci fa passare.
e non sembrano esserci collezionabili qui in giro. Lui ci ha aspettati molto educatamente. J'ai entendu à propos de son rêve et je voudrais vous aider, mais il faudrait me dire ce que vous cherchez. D'accord. Alors c'est un peu étrange, mais eh ben vas-y, Hugo. Oui. Dans mon rêve, je me suis réveillée sur une plage et j'étais malade et j'avais peur. Mais un grand oiseau est arrivé et je l'ai suivi. J'ai cru que j'allais mourir, mais l'oiseau m'a montré de l'eau qui m'a guéri. Et il y avait un très grand arbre aussi. Et c'est là que je me réveille à chaque fois. Bien. Oiseau, arbre, eau. Ça pourrait être n'importe où. Mais c'est un bon début. On peut aller demander au marché. Allons-y. Anche questa casa ha la macula. Con le crepe nere. De parfum. Amicia, est-ce qu'on peut parler aux gens de mon rêve? Tu ne devrais pas leur dire que c'est un rêve. Et n'interroge pas trop de gens. On ne sait jamais. D'accord. Alors je vais demander. Va bene. Andiamo a chiedere in giro. Tout droit venu du jardin de notre mère. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Besoin d'épices? Peut-être plus tard. On nous a parler d'un étang avec de l'eau au pouvoir de guérison. Vous sauriez où il se trouve? Aucune idée. Mais durant les jours radieux, il y a beaucoup d'occasions d'être béni. Ah, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a un grand oiseau sur cette île? Il y en a quelques-uns par-ci, par-là. Tu en verras peut-être. Eh bien, merci pour votre temps. De rien. Pas d'étang. Des oiseaux, peut-être? Oui. Le festival de cette année semble plus animé que d'habitude. Non, non, possiamo passare. Deux fois plus d'étal que la précédente. Le porc rôti est prêt. Qui en veut? Possiamo andare di qui? Des beaux tissus magnifiques à porter. Il y a quoi par là? Des chèvres. Così contento di vedere delle capre? Tu veux leur dire bonjour? Sarà un souvenir questo. Bien sûr qu'elle l'est. Vas-y. Allez, n'aie pas peur. Elle s'appelle comment? Lucinda. T'es une gentille chèvre, Lucinda. Elle t'aime bien. C'est vrai? Oh. Ah, ça veut dire je t'aime, mon chèvre. Tout va bien. Elle m'a crié dessus. On dit bêlée. C'est comme ça qu'elle parle. C'est une chèvre, tu sais. Les chèvres sont comme ça. Bah, c'est pas gentil. Tu as eu peur, c'est tout. Allons-y. Merci, monsieur. De rien. Au revoir. J'avoue que elle m'a fait sursauter, moi aussi. Ce serait un bon moyen de désorienter l'ennemi. J'ai hâte de t'entendre bêler au combat. La prochaine fois, peut-être. Tu savais que les chèvres avaient aucune dent de devant? Comme certains de mes hommes. Non si può parlare a nessun altro. Huile d'olive, herbe, tout ce qu'il vous faut à votre table. Mi sa di no. Ah, forse qui. Il est beau, ma questo tizio qui da solo. Tout frais du port. Bonjour. Bonjour vous. Connaîtriez-vous une plage où on pourrait trouver des oiseaux exceptionnels? On est sur une île, alors les oiseaux, c'est surtout des mouettes. Pas vraiment un oiseau dont on rêve, je dirais. C'est les saletés de voleuses, je vous le dis. C'est pas une mouette. Allons-y. Hé, hey. Merci, monsieur. Que votre jour soit radieux. Le vôtre aussi. Il sait rien du tout. Au moins, il connaît les mouettes. Sois patient, Hugo. Parliamo anche a lui. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous... Il y a un étang magique ici, avec des oiseaux et des arbres? Je suis pas d'ici, vous savez. Je suis juste là pour le marché. Vous avez peut-être un oiseau? Eh bien, merci, monsieur. Je vous en prie. Perfetto. T'es aussi subtil que t'es grand. Hein, quoi? Allons voir le reste. Andiamo di qui. Bon,
Essayons de nous renseigner ici. Bravo pour les décorations, tout le monde. Si vous voulez toujours aider, on a besoin d'un coup de main pour la fête de ce soir. Bonjour à vous. Bonjour. Nous venons d'arriver et nous avons entendu parler d'une plage qui serait proche d'un étang. C'est très précis. Quelqu'un connaît ? Désolé, ça ne me dit rien. Moi non plus. Il y a aussi un grand arbre. Eh bien, l'île est pleine de grands arbres. Vous en trouverez plus haut sur le plateau. Bien, merci quand même. Je vous en prie. Pourquoi ils savent pas ? Les rêves sont les contes de l'âme, demi-portion. Pas de ce monde. On va continuer à demander. Et bisogna continuare a chiedere, va bene? Non se troviamo a chi credere. Le festività vont commencer. Approchez. Ok, dovremmo andare di lì ora. J'ai hâte de voir ça. Allons-y. Oh, Amicia, on peut y aller aussi. Ouais. Bonne idée. Doit-on se méfier de l'armée du comte ici? Ils ont l'air plutôt calmes. Oh, autre capitaine, autre soldat, autre endroit. Je pense pas. Parfait. J'espère qu'il y aura un homme dragon. J'aimerais bien aussi voir un homme dragon. Vediamo qui cosa c'è. Venez mesurer votre adresse. Ancora? Oh, un jeu. Allons jeter un œil. C'est gratuit. Tentez d'attirer la faveur de l'enfant des braises. Bien le bonjour. On peut jouer? Bien sûr, c'est simple. Lancez un pot dans chaque couronne. C'est fini quand vous n'avez plus de pot. Ne faites jamais deux jets dans la même couronne, compris? Ok, bah, proviamo. Voyons comment je m'en sors. Tu vas gagner. Le contraire me décevrait beaucoup. Chut, j'essaie de me concentrer. Oui. Oui. Je suis si fier de toi. Arnaud. Ah, bon début. Oui. Continue. Détruis-moi ces couronnes. Dans le mille. Oh, très impressionnant. C'est du beau boulot. J'espère que c'est un bon présage. Merci. T'es trop parfait. Ces couronnes n'avaient aucune chance. Allons voir le reste. Mica 100 punti per questa cosa? Ok. Il y avait pas tout ça dans mon rêve, mais j'adore cet endroit. On se croirait dans un rêve, c'est vrai. Certaines îles sont de vrais petits paradis, mais elles restent fragiles. Oh, sois pas si déprimant. Des chants. Ils sont là. Ils vont sûrement commencer bientôt. S'il te plaît, Lucie, suis le rythme, d'accord? Pas d'improvisation. Je chante pour l'enfant des braises et il a besoin d'énergie. Mais pas autant. Bon, on se concentre. Ça va bientôt être à nous. Dépêche-toi. C'était tellement bien l'an dernier. Tu crois qu'ils feront mieux? Je sais qu'ils répètent depuis des mois. J'espère qu'ils vont encore traverser la Grand Place. C'est le meilleur moment. Ok, quindi dobbiamo andare lì giù. Qui non c'è nulla. Au fait, qui est cet enfant des braises? Sans doute une divinité locale. C'est la Saint-Jean sur le continent, le solstice d'été. C'est sûrement une histoire de fertilité et de prospérité. Est-ce qu'il est magique? C'est un dieu païen. Et pacifique. Oui. Qui c'è qualcosa? No, muro invisibile. Non penso si possa passare da qui. No. Des danseurs, Amicia, des danseurs. Oui, je les vois. Tu sais comment ça se danse, Arnaud? Tu m'as bien regardé. Oh, on sait jamais. Tout bien, Arnaud. J'aimerais bien te voir danser. T'as 30 ans de retard, mon garçon. Je vais t'imaginer alors. La dévotion a commencé. La procession arrive. Amicia, vite! Béni soit l'enfant des braises. Béni soit la mère. Ils sont là. Bonjour. Ah, bonjour. On arrive juste à temps. Waouh. Dis, est-ce que tu voudrais les bénir avec des fleurs? Je leur en jette, c'est ça? Exactement. Je fais comme ça. Béni soit l'enfant. Attends, je vais bénir les danseurs aussi. Hugo. Oh, Seigneur. Voilà. Merci. Oh, ex-
Excusez-le. Oh, ne vous inquiétez pas, ça venait du fond du cœur. Maintenant, ils sont bénis pour de nombreuses années. T'es un petit sauvage, gamin. Venez, suivons le défilé. J'aime bien bénir les gens. Seguiamo la processione. Je me demande bien pourquoi. Abbastanza noiosa anche questa parte, ragazzi. È una ricomposizione praticamente uno a uno di quello che abbiamo fatto all'inizio del gioco. Dommage que Sofia soit pas là. Elle viendra, elle résistera pas à une bonne pinte de bière. Viens, on va rater les chanteurs. Cioè, alla fine non stiamo facendo niente da boh 20 minuti. Oh, un attroupement. Qu'est-ce qui se passe? Anche perché la trama non sta avanzando, cioè non stanno facendo niente. Non per forza di qualcosa di azione, cioè non stanno facendo niente in generale. Dove è? Lei dovrebbe già essere là. Désolé, sir. Oh, ora finalmente magari c'è qualcosa ora. Questo è il conte. Dovrebbe essere tipo il capo dei cattivi umani. Come vous le savez, je n'aime pas les discours. Émilie, votre prêtresse, sera bientôt parmi nous. Elle trouvera les mots justes pour inaugurer ces jours ardents. Les mots d'une mère. La mère du vénéré enfant des braises. Cet enfant qui protège ces terres sacrées. C'est lui. Viens. Du fléau des rats et de la guerre. Les rats. Non, attendez. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que c'est le comte, Amicia. On avait un marché. Appelle tes rats. Attends, quoi? C'était ça, ton marché? Tu m'as sauvée pour qu'il assassine le comte en échange? T'es vivante, il y a un prix à payer. Non! Tu ne peux pas profiter de la naïveté d'un enfant et appeler ça un marché, Arnaud! On est venu ici pour lui. Tu ne cacheras pas tout. Mais merde, j'ai pas besoin de vous. Non! Arnaud! Je le savais. J'aurai ta peau cette fois! Je me charge de lui! Attrapez la fille! Non! Non! C'est pas notre problème! Cours! E si corre. Toujours mal. Toujours. Pourquoi? On y retourne. C'est trop tard. Non. Parfois les choses tournent mal, mais tu peux les changer. Comment? Comme on l'a toujours fait. On se bat. On arrête Arnaud avant qu'il ne fasse plus de mal. On sauve ton rêve. Ok, quindi ora si va di stealth. Si Arnaud è mort, o s'il a tué le comte. On improvisera, souviens-toi. On est doué pour ça. Oui, sacrément. Grimpe. On est dans une étable, il doit bien y avoir quelque chose. Deve esserci qualcosa in una stalla? Beh, per potenziarci in questo momento non ci serve. Sì, infatti, non dobbiamo passare di qua. Aspetta, però qui c'è qualcosa. Regarde, là-haut. Vabbè, prendiamo un po' di roba. C'est trop. Trouvons quelque chose pour nous ici. D'accord. Je crois que c'est un chariot derrière. Fermé. Ok, per salire lì sopra c'è magari un posto dove possiamo infilare Ugo. Ecco, vai. Attention. T'inquiète pas, je sais. Hugo? Là! Bien, mettons ce chariot en place. Monte tout en haut.
Prendiamo questa roba. Altro alcol. Ensemble. Mais au fait, pourquoi Arnaud s'en est pris au compte? Il a dit que c'était de la faute du comte si son bouclier est cassé. Allez, monte. On monte. Oui. Bien. Fais attention. Vite! Le comte est attaqué! Allez, qua si va avanti. Essayons de les suivre. Palese. E allora se qui dietro c'è qualcosa? Ah, infatti. C'è un baulone gigante. Attrezzi, risorse, rottami. Ottimo. Ok, ed ora si prova la fase stealth. Dove sono i nemici? Là c'è il tipo che guarda tutto. I nemici invece dove sono? Gli altri soldati. Davvero non ci sono? Boh. Scendiamo allora. Mais mon oiseau vaut bien trois hommes. Vous êtes mort. Il est dressé pour tuer. Tu peux l'arrêter? Il est trop rapide. Il mourra avant que je vise. On doit détourner l'attention du faucon. Je vais essayer de l'attirer ailleurs. On bougera d'une cagette à l'autre quand il attaque. Tiens-toi prêt. Che senso? Il falcone reagisce rapidamente se ti vedo o sento rumore. Resta il più possibile al riparo e sfrutta i tuoi strumenti e l'ambiente per distrarlo. Ok. Cos'è questo? Ah, rompere semplicemente un vaso. No, io vorrei... No! Volevo usare la mano. Volevo mirare con la mano, là. Ok, via. Come fa a vedermi, scusami? Vai, di nuovo. Come fa a vederci? Attiriamo il coso lì e andiamo. Andiamo di qua. Ok, tiriamolo ancora lì. E andiamo di qui. Poi. Poi, allora, tiriamolo là di nuovo. Arriva? Non ci arriva. E a questo punto tiriamolo lì. E poi scavalchiamo. Ecco fatto. Eccolo che arriva di nuovo qui. Falco di merda. Si può girare lì? Mi sa di sì. Però devo tirare... Ah, posso tirare forse l'Ignifer, aspetta. Tiriamo l'Ignifer lì. Ecco. Così almeno va di lì. Poi. Ecco perché ci hanno dato tutti quegli strumenti, giustamente. Poi posso tirare un sasso magari da qualche parte. No! Questa fionda di merda. Tipo lì. Non ci va. Posso colpire qualcosa col sasso? Buono. A questo punto di nuovo. Va lì. Noi andiamo. Ok. Non dovrebbe più vederci. Entra. Ok, questa parte col falcone perlomeno è nuova. Finalmente, dopo, boh, 9 ore di gioco. Qualcosa di nuovo. Anche se è stupidissimo il modo in cui l'abbiamo superato. Cioè, boh, tiravi il sasso letteralmente dietro di te e lui ti passava sopra senza vederti. Qui non si può entrare. Ils sont là. Le comte est vivant. Tu peux l'arrêter? Ferme-la!
Je vais te tuer comme j'ai tué des... Qu'est-ce qu'on fait? Mi venta. Ma tema, ma colpito Arno. Tu es le seul fautif. C'est ça son armée? Une fille et un gamin? Non, non, attendez. Victor, arrêtez. Emily. Ne vous emportez pas. Elle vous a aidé. Soyez sans crainte. Bien sûr, ma chère. Come non sono una minaccia? Tu sauras ce que c'est de perdre tout ce qui compte pour toi. Ma quella che hanno cercato di uccidere da anni, non lo so. Forse da ritiro dal primo capitolo. Emmenez-le. Je m'occuperai de lui plus tard. D'où connaissez-vous ce monstre? Nous étions sur le même bateau et nous nous sommes parlé. Mais j'ignorais ses intentions contre vous, monseigneur. Ah, quindi lei non sanno chi sia lui. Lei, cioè lei, loro non sanno chi sia lei. Amicia, et voici mon frère Hugo. Il a un peu peur. Rassurez-vous, plus de peur que de mal. Ces festivités célèbrent la vie et la paix. Accepterez-vous d'être nos hôtes pour le dîner? Vous êtes sûr? Enfin... Oui, Emily a raison. Vous l'avez bien mérité. Suivez-nous. Hugo, viens. Alors, comment trouves-tu ce balcon? C'est vraiment votre maison? Oui, et tu es chez toi. C'est incroyable. Venez, entrez donc. Andiamo con lei, non metto a esplorare tutto in giro camminando così perché ci metterei tipo 10 minuti solo per questa sala e no, grazie. Se mi perdo qualche collezionabile, poi me lo vengo a prendere fuori dal video. Oh, voulez-vous quelques dates avant de rejoindre votre chambre? Des dates? C'est quoi? Un fruit, Hugo. Je peux? Bien sûr. Merci, votre grâce. Doucement, Hugo, s'il te plaît. Oui. Tout cela peut paraître solennel, mais je vous en prie. Ici, je ne suis pas votre grâce. Je suis la mère. Je suis moi, soyez-vous. Oui. Durant les jours radieux, le bon peuple de Lacuna ne fait plus qu'un. Uni autour de l'enfant. Alors, j'adore. Un bon vivant. Attention, c'est un fruit très nourrissant. Dites-moi, d'où venez-vous? De Guyenne. Nous avons fui la guerre et la peste. Nous sommes venus ici pour trouver une vie meilleure. Et on nous a parlé de cette île. Vous avez bien fait de venir ici. Continuons. Vous devez être éreinté après toutes ces aventures. C'est incroyable. Je sais. J'ai hâte de voir notre chambre. Manca un po' scatti questo gioco, eh. Agnès, préparez une chambre pour deux, je vous prie. Tout de suite, mère. C'est sa maman? Non, c'est symbolique. Et voici nos jardins, mon endroit préféré. Splendide. Oh, ils ont enfin nettoyé les bassins. Oui, ne sont-ils pas jolis? Vous êtes bien jeune pour un si long périple. Où sont vos parents? Maman est quelque part. Mais papa a été tué. Par qui? Comment? Hugo. Victor, ne soyez pas si martial. Vous me connaissez. Viens près de moi, Hugo. Oui. Tu vois ces plantes? La plupart d'entre elles ne viennent pas d'ici. Mais nous avons réussi à les faire pousser. Et elles sont très belles. On leur donne beaucoup d'amour et d'attention. Elles sont comme nous, tu sais. On boit de l'eau? Et nous avons besoin de bonne terre, d'amour et d'attention. Cette île peut t'accueillir si tu souhaites grandir ici. Mais c'est ta grande sœur qui en décidera, n'est-ce pas, Amicia? Merci infiniment. Vos mots sont pleins de bonté et de vérité. J'aimerais vous montrer autre chose. Victor? Bien sûr. Viens, Hugo. Cette terre est vigoureuse. L'enfant des braises lui insuffle la vie. Nous avons créé les jours radieux pour l'honorer, dans l'espoir qu'il nous revienne un jour, tel qu'il est écrit. À nous?
sa mère et son père. Ô bon peuple, nous le prions, non pas comme un dieu, mais comme notre enfant endormi. Nous l'aimons, nous le vénérons, pour raviver sa flamme. Amicia, sur la pierre, c'est l'oiseau. Attends. Accepteriez-vous de prier avec moi, à votre manière, si vous voulez? Bien sûr. Hugo? Je vais prier l'oiseau. Une humble flamme pour éclairer sa nuit. Puisse-t-il s'élever un soleil, un fils, si radieux. Si radieux. Si radieux. Merci. Ça me touche. Pouvons-nous continuer ? Pardon, mère. Pouvons-nous prendre un instant et prier pour notre père ? Hugo ? Oui. Bien sûr, je comprends. J'attendrai. Rejoignez-moi quand vous aurez terminé. Quanto è inquietante quel tipo sotto l'uccello? Lì sulla. Il basso rilievo. Penso sia un basso rilievo. Je le sens. Son bec est pareil. Je le sais. C'est tout. Bien. Très bien. Retournons les voir. Et pas un mot de ça à qui que ce soit, d'accord? C'est notre secret. Je sais. Est-ce que tout est prêt pour demain? Oui. Les nouvelles robes sont splendides. Ce sera parfait. Excusez-moi. Oh. Êtes-vous prêt? Oui. Ma foi, nous sommes heureux que vous ayez prié l'enfant avec un tel entrain. Chaque enfant porte en lui l'avenir du monde. Un seul enfant peut tout changer. C'est absolument vrai. Nous y sommes. Entrez. C'est beaucoup trop. Mais non. Vous êtes nos invités. Un festin nous attend ce soir. Un vrai repas, Amicia. Chut. Oh, il faut vous trouver des vêtements propres. Vous avez dû faire un long voyage. Vous allez tuer Arnaud ? Hugo ! Il sera jugé. Comme tous ceux qui agissent mal. Et il n'est pas en reste. Mais tu pourras témoigner à son procès, si tu le souhaites. N'y pensons plus. Reposez-vous donc. Demain, vous pourrez explorer Lacuna. Les jours ardents sont vraiment une occasion rêvée. Merci. Merci. Gentes dames. Les lits sont robustes. Allez sauter dessus. Per me loro sanno palesemente chi siano loro e stanno facendo tutto ciò per riuscire a conquistarsi la fiducia del bambino, molto probabilmente. Abbiamo completato anche il capitolo 8, un capitolo praticamente privo di combattimenti, con solo una parte stealth, quella del falcone. Racconti e rivelazioni, parte 9. Capitolo 9, potrebbe essere interessante allora questo capitolo che si intitola Racconti e rivelazioni. Forse potremmo effettivamente conoscere qualcosa della trama di questo gioco, della mitologia? Sì, sono si spera almeno. Oui. Eh, viens ici, petite marmotte. Ah. Allons, c'est juste le soleil. Regarde. C'est magnifique. Waouh. C'est. C'est. Comme un rêve? Oui, on se croirait dans mon rêve. Allez, on mange un morceau et on y va. Tu viens? Allora, il doppiaggio francese è molto più naturale. Ovviamente ci capiscono a sega perché il francese l'ho fatto solo alle medie. E l'ho fatto pure molto male alle medie. Non ci capisco niente, però è molto più naturale. On est censé découvrir pourquoi tu es arrivé de cette île, non? Sì, allons-y. Quanto pesa però questo gioco. Calcolate che sto giocando su una 3080, eh. Certo, è tutto ad ultra, anzi no, tutto ad alto, in 4K, 60 fps come target, e sto anche registrando. Quindi, ok, può pesare per quello, però ragazzi, 3080. Questo è un gioco lineare, cioè non è nemmeno un open world che deve caricare chissà cosa. Boh, comunque, il capitolo 8 è concluso e così si conclude anche questo video.
Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!